Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc tranquillement. Aujourd'hui, même point de départ que le dernier voiture log, donc c'est dans un champ. Et enfin, aujourd'hui on va faire une petite balade, on va passer par Saleil. Du coup, là je peux pas mettre de musique puisque c'est mon téléphone qui enregistre le son. Du coup, je prends l'enregistreur vocal de mon téléphone. Avec des écouteurs d'iPhone, mais je vais investir dans un micro, dans un petit micro cravate. Du coup, je vais prendre ça et j'enregistrerai ça, donc le son il sera beaucoup meilleur, j'espère. Ensuite, pour la caméra, toujours avec la GoPro, avec la GoPro Hero Plus. Du coup, voilà, donc on va y aller sans perdre de temps et voilà. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo et voilà. Je sais pas ce que je sais pas trop de quoi j'ai parlé. Donc du coup, on va y aller. J'ai juste allumé ma cigarette. Par contre, je sais pas si vous entendez les frottements de la veste. Je pense que oui, mais bon, c'est pour ça que j'ai acheté un vrai micro-cravate. Donc ça là, il paraît, c'est un petit village près de Perpignan. Pour l'instant, je vais faire que des petits villages. On va passer que par les petits villages. Bon, du coup, on va mettre le moteur. Du coup, je connais pas du tout Saleil, donc je sais pas, on va faire un petit tour hein, en essayant de pas se perdre. On va passer à droite. Et en ce moment, il y a beaucoup de terrain à bâtir, ça fait déjà un moment, mais bon, voilà. Et par contre, les maisons, elles sont pas mal. J'aime beaucoup ces maisons en fait, elles sont très très jolies. J'adore ces maisons comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais enfin, je sais pas si vous voyez sur le côté. Mais j'aime beaucoup ces maisons, elles sont super belles. J'espère habiter dans une maison comme ça. Mais ouais, elles sont super belles, elles sont toutes neuves. Je sais pas si vous voyez bien. Pour l'instant, je vais laisser le plan comme ça. Puis une prochaine fois, je mettrai vers la fenêtre. On verra ce que ça donnera. Ouais, les maisons elles sont trop belles ici. Du coup, là, je sais pas par où on va aller, mais là. Mais normalement, si vous voyez un peu. J'ai fait en sorte de pas trop qu'on me voie. Bah mets ton clignotant frère. Oh là, il y a une maison on dirait d'un abandonné mais pas du tout. Du coup on va juste passer par Saleil. On va juste passer par Saleil. Puis après on va rentrer à la maison. Du coup, je sais pas si vous entendez la musique. On est du coup.
On va faire demi-tour. On va aller au centre-ville. C'est la radio là, mais j'aime pas trop, du coup je pense que je vais mettre une musique par dessus au montage, parce que oui, en fait des montages des voitures doc, c'est, on a l'impression que c'est pas du tout long, mais en vrai c'est très très long. Le premier voiture doc, j'avais commencé à 22h. Et ouais, j'ai fini à 3h du matin, donc pour vous dire que c'est très long. Et là, je fais le son à part par rapport à la GoPro, du coup, ça c'est encore beaucoup, ça va être encore plus long. Merde. Oula, il a failli avoir un accident. Ouais, donc voilà, donc les montages des voitures, c'est super long. On dirait pas comme ça, mais ouais. Et vu que là je fais le son à part, bah du coup c'est encore beaucoup plus long en fait. C'est très long, très très long. Puisqu'il faut couper des choses là où ça te plaît pas, etc., des trucs comme ça. Alors du coup, ouais, c'est très long. Alors moi de basse, oulala, de basse. Alors moi de basse, j'aime pas trop les routes de campagne, mais bon, parce que c'est très étroit. Mais bon, on fait avec, hein. À ma gauche, il y a le Canigou, donc c'est une montagne. Une montagne des Pyrénées. Enfin, le plan il est super beau, quoi. Et je vous ferai des photos Oh.
trop cool de savoir si je conduis bien ou pas. Ça peut être sympa si vous me trouvez que je conduis bien. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, du coup, là, ça fait 20 minutes que je tourne la vidéo. Je vais un peu l'agrandir. On va aller à droite. On va voir des maisons. Mais enfin, on va passer par là, ça... Ça peut être joli. Enfin, joli. Je dis n'importe quoi, mais... En fait, les maisons, elles sont en hauteur et c'est assez beau à voir. Mais du coup, vous voyez pas trop, mais... J'aime bien. Enfin, on va juste passer par là pour agrandir le chemin... allonger la vidéo, mais... Y'a rien de spécial. C'est des maisons quoi. Et le restaurant abandonné il est par là. Est trop belle la maison. Alors ici c'est vraiment des maisons de pas de riches, mais ils sont blindés quoi. Ah ouais, elles sont tellement belles, elles sont super belles. Ah ben là on arrive à Mont-Saint-Pierre. Bon, du coup, je savais pas qu'on pouvait passer par là pour aller à Mont-Saint-Pierre. Ah bah oui, je venais en fait. Ouais, donc les maisons ici sont tellement belles. On est déjà passé par là, mais... je vais faire demi-tour, du coup, on va re-rentrer dans le parc de résidentiel. Et on va prendre le rond-point, on va aller à droite. On va allumer des feux de croisement parce qu'il commence à faire nuit et je connais mon code. Du coup, voilà. Ah oui, du coup, je vous avais dit que qu'on ferait le parcours de mon permis. Donc, on va le faire. Je sais pas quand, mais on va le faire, c'est sûr. Faut juste que je trouve le temps et que je me rappelle aussi parce que. C'est vrai que bah, du coup ça fait un moment que je m'en fais pas. Enfin, ça fait déjà 6 mois que j'ai passé mon permis, du coup je ne m'en rappelle pas trop. Ouais, c'est paumé ici. Ils sont tranquilles ici. Hein. Ah ouais. Par contre les maisons sont collées. Enfin, je sais pas si elles sont collées ou si c'est vraiment étalé. Enfin bref. Bon du coup ben voilà, enfin c'était juste une petite vidéo mais bon, il n'y a pas trop de choses à voir. Bon, du coup, faut pas que je me perde parce que ça serait con. Ça sera vraiment con si je me perds. Du coup, je vais tourner à gauche tout de suite. Ah ouais, donc je vous avais dit que c'est vraiment en montée ici. Ah, mais je vois où on est. Ah ouais, vous voyez pas, mais les baignoires sont vraiment hautes. On va aller tout droit, bon, je sais pas où ça nous donne, où ça nous fait aller ça, mais... Par contre, j'habiterai pas près d'un bois, mais ouais, elles sont super belles. Bon, du coup, on va faire demi-tour, parce que là, je suis paumé, donc bon.
Bon, du coup, on va essayer de sortir d'ici. Parce que là, c'est pas trop. C'est pas trop que j'aime pas, mais un peu. C'est. Ouais. Ça nous fait découvrir des choses que je savais pas. Enfin, que je savais pas que. Que ça existe. Enfin, que ça existait, non. Mais. C'est très joli. Bon, du coup, on va partir d'ici. Oh là, il y avait un chien qui vient de courir. Ah, putain, il m'a fait peur. Un petit stop, on va s'arrêter. On retourne, on regarde à gauche et à droite, il n'y a personne. Par contre, il y a un petit chat. Et on y va. On accélère, on passe à deux. Super belle les maisons. Bon, du coup, on va tourner à droite. On va retourner à droite. Ah non, il faut se tromper encore. Ah, quoique. Oula, il y a de la fumée là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être encore un feu, je pense. Là, on va tourner à gauche et on est sorti de ces maisons. Pour ceux qui veulent savoir, même si je crois que j'ai déjà dit dans. Ah là, j'ai soif, j'arrive pas à parler. Même si je crois que j'ai déjà dit quelque part dans un voiture log. Ah bah attendez, juste deux secondes, on va passer par des petites maisons encore. Parce que c'est joli. Le petit McDo qui est à droite. Placement de produit, lol. Voilà, donc on va faire demi-tour. Alors le rond-point il est bizarre, c'est pas un rond-point en fait, c'est pas un rond-point mais voilà. Alors, on va faire demi-tour. On va passer par là. Ça fait longtemps que je peux passer par là. Et du coup j'étais en train de dire un truc mais je sais plus ce que je disais. Je disais quoi déjà? Je sais plus. Oh, ça va revenir. Par contre, les gens qui habitent sur Perpignan, dites-moi, on se capte. On fait un petit truc sympa. Genre un Burger King ou quoi. On va se promener. Ah ouais, en fait,
Je me suis niqué moi-même, quoi. Donc à ma gauche, c'est la gendarmerie avec bah, des appartements du coup. Oh putain, je supporte pas cette musique. Cette musique elle veut rien dire. C'est ouf. Boum boum tap, boum boum tam tam. Dis-moi ce que ça veut dire. Dites-moi ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Ça veut rien dire. En plus, la musique, enfin, l'instrumentale, elle est insupportable. Il y a du monde, hein. La sortie des lycées. Alors, à ma droite, à ma gauche, à ma droite, il y a une de ces vues. Je sais pas si vous... Bah, attends, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Et c'est vraiment super beau. Donc là, on est derrière chez moi, là. Par contre, les gens qui habitent sur la route, je sais pas comment ils font pour le bruit, hein. Je suis passé par là mais j'aurais pas dû. Parce qu'il y aura des bouchons du coup. Bah bref. Moi du coup ce que je vais faire c'est que... Voilà pourquoi je peux passer par là. Ouf. Tous les bouchons qu'il y a à cette heure-ci, c'est ouf. Mais en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je sais pas ce qui se passe, mais... Mais bon. Bon, du coup, on va refaire la route qu'on vient de faire. Parce que du coup, c'était pas du tout par là que je voulais passer, mais bon, tant pis. Je ferai cette route en accéléré. Parce que ça sert à rien que vous voyez deux fois la même route, mais bon, voilà. Et voilà, aussi, c'est ça qui est chiant avec VoitureLog. C'est que... on sait pas trop quoi faire puisque c'est tout le temps les mêmes routes qu'on prend en fait. Donc bon, à part les routes paumées qu'il y a, c'est bof bof quoi. Et bon. Oula, j'étais à 80, je crois que c'est 70.
Bon bref, du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude. Partagez, likez, abonnez-vous. Et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau voiture log. Allez, ciao.